Merci d'être présent. Merci à vous d'avoir couvert cet événement. On vous avait promis de l'exceptionnel. On a tenu. Bah, c'est vrai que ça aurait été mieux si on avait volé vendredi soir, samedi matin, samedi soir. Mais là, c'est encore mieux parce que les pilotes étaient vraiment chaud bouillant. Moi, c'est la première fois que je fais l'entrée des pilotes des véhicules sur le terrain. Bon, en 25 ans, j'aurais pu le faire avant, mais aujourd'hui, pour des diverses raisons, il fallait que je sois là. Et quand j'ai vu ce flux de véhicules et Maître Zelebzik voulait photographier tous les véhicules qui rentraient, et là, c'est devenu un peu fou, parce que là, vraiment, et en plus, il nous aurait bien écrasé, les bougs. Hein. En 2013, on a fait deux records. Le record de la ligne, bon, ça on le fait depuis un certain nombre d'années, et c'était 391 ballons. Et puis, puisque nos Américains, amis américains nous avaient mis au défi de les battre, c'est-à-dire le décollage en moins d'une heure, avec 408 ballons, nous sommes donc le premier rassemblement au monde. Je crois qu'aujourd'hui, en moins d'une heure, on aurait pu calculer les deux, mais on va être sport avec eux, hein, quand même, pour essayer de nous rattraper. On se contentera d'un record à la ligne, à plusieurs lignes. Mètre, ça fait à peu près combien de kilomètres? Comme ça, à vue de nez, on va vérifier. Plus de 6 kilomètres. Alors, on a plus de 6 kilomètres de ballons alignés. Exactement. Vous êtes sûr de vous? Oui. Sûr de vous? Bon, c'est parfait. Ça ne dit pas le nombre de ballons. Ça fait un peu teasing, mon histoire. Maître Zelebzik, il y a 2 ans, j'avais essayé de vous mettre dans un dirigeable qui n'avait pas décollé. C'est quoi vos sensations? Qu'est-ce que vous préférez? Le dirigeable, l'ULM ou l'hélicoptère? L'hélicoptère est de loin, c'est plus facile. Bon, et vous étiez avec qui ce matin? Avec un journaliste et puis un pilote. D'accord. Journaliste et un pilote. Ah ben, heureusement que vous aviez un pilote. C'est mieux. Donc, vous voyez, on a fait la piste du LM qui doit faire 750 mètres, mais on va vérifier avec Maître Zelebzik. On avait 2 fils sur la piste centrale. Exactement, deux lignes complètes d'ailleurs, hein, la piste coupée. Donc, ça doit faire dans les 2940 mètres, c'est ça, un voilà, truc comme ça. C'est ce que m'avait déclaré. Donc, on est 3 km quasiment, 6 km rien qu'avec les deux lignes. Bon, 6 km plus 750 mètres. Ah vache, là, on tangente les 7 km. On y s'approche, oui. C'est du hors-taxe, oui. Qu'est-ce qui vous intéresse maintenant de savoir? Hein? Ça vole ce soir? Ah, on espère tous. Alors, Maître Zelebzik, est-ce que vous avez un comptage presque exact? Ouais. Ah, exact? Non, presque. Presque. C'est-à-dire qu'il y en a plus, en fait. Qu'est-ce que vous n'avez pas compté? Dites-le honnêtement. J'en ai pas compté 5, puisque mon temps de vol ne m'a pas permis de les voir tous gonflés. Mais ils sont restés très longtemps au sol ce matin, et je pense que ceux qui n'étaient pas gonflés au moment de mon passage ont gonflé après. Je ne les ai pas comptabilisés, donc le chiffre qu'on m'a donné, il est un petit peu en deçà de la réalité, certainement. Et le chiffre, est-ce que vous pourriez le faire, maître? Je peux le faire. Vous pouvez le faire? Je peux le faire. Est-ce que vous voulez le prononcer ou vous voulez montrer une machine? Oh, on peut faire visuel, ça peut intéresser le journaliste, oui. Allez, sortez votre petit compte. Voilà. 433 montgolfières. Oh.